La liberté de la presse, célébrée aujourd'hui 3 mai, les raisons de cette commémoration dans ce journal. Le cinéma, passion universelle, thème retenu pour la commémoration de la journée dédiée à la propriété intellectuelle en Côte d'Ivoire, nous en parlerons également. Et puis hors de chez nous, ouverture aujourd'hui de la campagne présidentielle en Égypte. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 3 mai, journée mondiale pour la liberté de la presse, occasion de faire la promotion de médias indépendants et pluralistes, également de se souvenir des journalistes emprisonnés ou tués dans l'exercice de leur métier. En Côte d'Ivoire, cette 21e édition est marquée, entre autres, par une marche. Retour sur les raisons de cette commémoration avec Okambawa et Herman Niamie. Décembre 1993, que la Journée mondiale de la liberté de la presse a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies après le séminaire pour le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Le séminaire tenu à Windhoek, en Namibie en 1991, a conduit à l'adoption de la déclaration sur la promotion des médias indépendants et pluralistes. La déclaration de Windhoek exige l'établissement, le maintien et la promotion d'une presse indépendante. Elle met également l'accent sur l'importance d'une presse libre pour le développement et la préservation de la démocratie au sein d'un État. C'est ainsi qu'est célébrée le 3 mai de chaque année, date d'adoption de la déclaration de Windhoek, la Journée mondiale de la liberté de la presse. Aujourd'hui, dans le monde entier, le 3 mai est devenu l'occasion d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession et pour d'autres encore en prison à travers le monde. Pour l'édition 2014, l'accent est mis sur l'importance des médias dans le développement, la durabilité, l'intégrité et la sécurité des journalistes dans un état de droit. Une autre journée dédiée, elle, aux acteurs et inventeurs, célébrée tous les 26 avril, la journée mondiale de la propriété intellectuelle a été commémorée un peu plus tard en Côte d'Ivoire, soit le 30 avril dernier. À l'occasion, des acteurs du 7e art ont rendu visite aux élèves du lycée Sainte-Marie de Cocody. Un extrait du film africain. Le 7e art en Afrique, quelque peu à la traîne de la vie des observateurs. Au nombre des raisons évoquées, le coût de production pas toujours supportable. Quand tu veux faire un film, moi par exemple, je viens à peine de finir, je suis endetté. Je suis obligé de me tourner vers la banque, prendre des crédits jusqu'à aujourd'hui. Quelques remèdes cependant pour sortir de l'ornière, la vulgarisation de la propriété intellectuelle. En clair, mieux expliquer le concours juridique d'acquisition des droits des producteurs des œuvres de l'esprit. Droits d'auteur, brevets et marques au centre donc des échanges à cette rencontre diligentée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. L'idée est d'outiller les acteurs de toutes les chaînes de production, mais aussi les élèves sur la notion de propriété intellectuelle. Et nous sommes venus dans une école pour montrer que, au-delà des diplômes, l'esprit doit inventer. Nous voulons mettre l'accent sur l'invention, sur la créativité. Mais pour une société sensibilisée, il faut de bonnes perspectives. Il faut que l'État donne les moyens aux citoyens, aux entreprises de financer. Mais pour cela, il faut créer une réglementation. Parce que quand le citoyen finance, il faut que l'État lui donne des facilités. Donc c'est souvent sur son impôt. Le cinéma, le théâtre, l'invention, bref, la propriété intellectuelle au centre de tout. C'est le message à retenir de cette célébration décalée le 30 avril dernier de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, la 12e édition en Côte d'Ivoire, qui a lieu chaque 26 avril. Promotion de l'excellence dans les établissements confessionnels musulmans, l'initiative du Club des hommes des affaires, hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire. L'objectif du Chamsi est d'inculquer le goût du travail aux jeunes apprenants. Les meilleurs élèves des écoles confessionnelles musulmanes seront bientôt récompensés. Un concours d'excellence à leur intention est initié par le Chamsi, entendez Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire. Objectif, promouvoir les valeurs d'excellence et encourager les établissements scolaires musulmans. Il s'agit de primer l'excellence, de favoriser l'excellence, d'encourager, d'entretenir la qualité dans nos écoles et les aider à relever les niveaux pour atteindre celui des écoles formelles qu'on connaît et faire en sorte
que les élèves intelligents extraordinaires que nous avons dans nos cours ne passent pas inaperçus et qu'ils puissent, par rapport aux autres, véritablement s'illustrer. Ce concours est à sa deuxième édition après celui de 2013. Il vise également à renforcer la qualité de l'enseignement dans les établissements confessionnels musulmans. Cela vise à encourager nos enfants à plus de courage et à plus d'abnégation dans leurs études. Vous êtes sans ignorer que notre enseignement est un enseignement qui malheureusement baigne dans une léthargie. Une action soutenue par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Je voudrais saluer les responsables des associations et organisations de la communauté musulmane. Ils ont compris que c'est seulement par une éducation de qualité qu'on peut donner toutes les chances aux enfants de forger leur personnalité et de se réaliser pleinement. Ce sont 12 prix qui seront décernés aux meilleurs élèves, dont un prix dédié à la promotion du genre féminin. Voilà, lancement donc de cette deuxième édition du prix d'excellence du Chamsi, lancé en présence de Konaté Moussa et de Laetitia Manglé. Les élus et cadres du village de Krizabayo, dans la sous-préfecture de Saïwa, en quête de paix pour le développement de leur localité. Une rencontre a donc été initiée entre ressortissants du village pour parler cohésion sociale et le président de la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konambadi, a pris part à ces échanges. La crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire en 2010 avait durci les relations entre certains fils et filles de la région du Haut-Sassandra, plus précisément du département d'Issia. Consciente de la nécessité de vivre ensemble pour reconstruire la région, la Mutuelle de développement de Krizabayo, un canton de la sous-préfecture de Saïwa dans le département d'Issia, mène des démarches pour réunir les fils et filles de la région autour des valeurs d'unité et de progrès. Cette rencontre à Yopougon s'inscrit donc dans cette logique. Invités à partager ce moment de retrouvailles et de sensibilisation à la réconciliation, Charles Konambani, président de la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, a rassuré les ressortissants et notables du canton qui ont effectué le déplacement de Yopougon que la CDVR est au service de tous les Ivoiriens. Il les a également exhortés à l'entente pour bâtir un avenir meilleur. Charles Konambani a offert plus de 2 millions de francs CFA pour soutenir la mutuelle dans ses efforts de rassemblement et de réconciliation des fils et filles de la sous-préfecture de Saïwa. Voilà, reportage signé Serge Gangomé et Grace Kando. La sous-préfecture de Vavoua, également préoccupée par son développement, fils et filles de la circonscription réunis autour du sous-préfet de leur localité ont abordé le sujet, ici même à Abidjan, l'unité autour du développement et la sensibilisation au recensement à l'ordre du jour de cette rencontre, suivie pour vous par Eugène Atoubé. La rencontre du sous-préfet de Vavoua avec les cadres élus et ressortissants de cette sous-préfecture résidant à Abidjan et banlieue s'inscrit dans son projet de mobilisation des filles, fils et cadres de Vavoua pour sortir cette région de sa léthargie. Kone Vakaba, sans détour, a relevé les défis qui se posent à cette localité et engagé cadres élus, filles et fils de Vavoua à leur responsabilité. Le sous-préfet a demandé que les cadres se mobilisent pour l'accompagner pour que l'État puisse réfléchir et intervenir à Vavoua. Au nombre des sujets de discussion, la cohésion intercommunautaire dans la sous-préfecture de Vavoua où vit un nombre important d'allogènes et d'allochtones, répartis dans les 112 villages qui composent la sous-préfecture, mais également la réconciliation et la paix, fermant, selon Kone Vakaba, du développement et voie d'accès au progrès des populations. Dans cette perspective, il a exhorté les élus et cadres de Vavoua à sensibiliser leurs parents et toutes les populations à se faire recenser. Les chefs de village, les notables, se sont tous impliqués en logeant les agents, en leur donnant même la nourriture. Cela, c'est une satisfaction pour le sous-préfet que je suis. La sous-préfecture de Vavoua est confrontée à deux défis majeurs. La réconciliation de ses fils divisés par les querelles politiques et l'unité pour une synergie d'action dans une localité où tout, absolument tout, est urgence.
Hors de chez nous, l'actualité est marquée au Nigeria par cet attentat qui a fait au moins 19 morts à Abuja jeudi dernier. À la gare routière de Niagna, un cordon de sécurité interdit au public l'accès au lieu de l'attentat. Autour de l'épave de la voiture qui a explosé, les enquêteurs s'activent. 24 heures après l'attaque meurtrière, les habitants du quartier de Niagna sont sous le choc. Beaucoup de gens veulent retourner dans leur village. Ils sont actuellement effrayés par Niagna. Nombre d'entre eux sont en train de quitter Niagna et ils n'envisagent pas de s'y installer de nouveau. Dans l'un des principaux établissements hospitaliers d'Abuja, ce vendredi, l'affluence est grande. Plusieurs personnes tentent de retrouver leurs proches blessés dans l'attentat et pris en charge par le corps médical. Je suis venu réconforter mon frère qui fait partie des victimes de l'attentat d'hier à Niagna, à Abuja. Je l'ai vu, il reçoit les soins tranquillement. C'est à 20h heure locale que l'attentat s'est produit dans la gare routière de Niagna, à quelques kilomètres du siège du gouvernement. Une voiture piégée a explosé au moment où les habitants de la banlieue regagnaient leur domicile après les cérémonies de la fête du travail. Beaucoup de personnes ont vu leurs proches tomber après l'explosion. J'ai vu ma sœur. Je l'ai vue quand elle s'est effondrée, la jambe coupée. Je l'ai vue. Elle est déjà morte et je le sais. Le bilan provisoire fait état de près d'une vingtaine de morts et 80 blessés. L'attentat intervient à quelques jours d'un grand forum économique international prévu à Abuja. Il n'a pas été revendiqué, mais le mode opératoire fait porter le soupçon sur Boko Haram. La secte islamiste avait mené il y a moins de 3 semaines une attaque quasi similaire près de la gare de Niagna. Top départ ce matin pour la campagne présidentielle des 26 et 27 mai prochains en Égypte. Un scrutin qui opposera l'ancien chef de l'armée, le maréchal Al-Sissi, au candidat de gauche Hamdine Sabahi. Une campagne électorale sur fond de tension, une série d'attentats a fait au moins 2 morts et 4 blessés dans le pays. On n'avait plus aucune de ces nouvelles depuis maintenant 2 mois. Eh bien, l'opposant burundais Alexis Sindoinje n'aura pas échappé pendant bien longtemps aux autorités de son pays. Poursuivi pour organisation de mouvements insurrectionnels, il a été interpellé à Bruxelles. Sa dernière apparition en public remonte au mois de mars dernier. L'opposant burundais Alexis Sindoinje avait pris part à une manifestation de son parti à Bujumbura, qui avait été violemment dispersé par la police. Il avait aussitôt pris la fuite alors que les autorités burundaises lançaient un mandat d'arrêt à son encontre pour organisation de mouvements insurrectionnels. Alexis Sindoinje a été interpellé jeudi matin à l'aéroport de Bruxelles alors qu'il arrivait de N'Djamena à destination de Paris. Bujumbura a officiellement demandé son extradition. En Ukraine, l'actualité est marquée par la libération de l'équipe des 7 observateurs de l'OSCE retenus par les séparatistes pro-russes depuis plus d'une semaine. Libération sans condition selon les autorités, alors que sur le terrain, l'armée ukrainienne poursuit son opération anti-terroriste. L'armée ukrainienne a lancé une offensive d'envergure vendredi à l'aube pour reprendre la ville de Slaviansk, bastion des séparatistes pro-russes. Les forces spéciales auraient repris 9 points de contrôle autour de la ville, mais 2 hélicoptères ont été abattus, touchés par des missiles solaires portables. Les 2 pilotes sont morts dans cette attaque. Une information confirmée par le ministre ukrainien de la Défense, qui voit dans cette action le savoir-faire de militaires étrangers. Un hélicoptère a été abattu alors qu'il survolait la ville. Une première roquette l'a raté, mais la deuxième l'a touché. L'hélicoptère a continué à voler avant de tomber. Un copilote d'hélicoptère blessé est même tombé dans les mains des forces rebelles qui ont commencé à ériger des barricades sur les principales artères de la ville. Nous défendons notre ville pour que ces provocateurs sanguinaires n'y entrent pas. La veille, les militants pro-russes avaient pris de force le tribunal de la ville de Donetsk, dernier bâtiment encore aux mains des partisans de Kiev. Une action extrêmement violente qui a sonné le départ de la contre-offensive de l'armée ukrainienne. Une contre-offensive qui pour le moment piétine aux portes de Slaviansk. Une colonne de blindés a même été bloquée par la population à quelques kilomètres de la ville. Les principaux postes d'aiguillage et voies ferrées sont également aux mains des insurgés.
empêchant l'arrivée de renforts de l'armée ukrainienne. Et puis, plus de 2000 morts dans un glissement de terrain en Afghanistan. Des villages entiers ensevelis sous près de 100 mètres de boue et les chances de retrouver des survivants sont très peu. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.